Je vais te présenter un garçon fantastique. C'est un coup de cœur ici pour Boulevard des Planches. À 15 ans, il écoutait déjà Bob Dylan, Brian Jones, Jacques Dutronc. Il a découvert le rock très tôt dans son existence. Il a monté son premier groupe. Et puis très vite, eh bien, il a été réclamé par d'autres grands artistes déjà confirmés, que ce soit Axel Red, que ce soit Christophe Maé, que ce soit Gérald Palmas. Enfin, beaucoup d'artistes, tous, le veulent. Et il est avec nous ce soir. On a cette chance ici sur la scène du théâtre du Casino Barrière de Deauville, Valentin Marceau. La chanson de Prévert, c'était le temps des autoroutes vers l'océan. Les mots volaient comme des pierres, passaient le tunnel de Fourvière. Moi je dessinais sur la vitre ton portrait. Je voulais rentrer près de toi, je voulais rentrer près de toi. J'avais pas assez de mon cœur, j'avais pas assez de ma voix. Voiture à l'arrière, passe l'été, vienne l'hiver. Combien de temps pour que ma route prenne un tournant? Tant qu'elle suive la danse des cerfs-volants, autant faire naufrage au prochain péage. Tu n'es pas dans mes bagages par accident. Je voulais rentrer près de toi, je voulais rentrer près de toi. Je n'avais pas assez de mon cœur. À l'arrière, les amours mortes ne manquent pas d'air. C'est pas le moment d'en rajouter à mes tourments. Cet air me ramenait vers toi. Les chemins du sud sont devenus froids. Le soleil n'est qu'un lampadaire loin de toi. Je voulais rentrer près de toi. Je voulais rentrer près de toi. J'avais pas assez de mon cœur. J'avais pas ma voix pour entrer sur la près de toi. Valentin Marceau, quel bonheur de l'avoir. Le dernier single qui marche très très bien. C'est exactement. Frais. C'est frais, qui a été rajouté à cet album qui est déjà un beau succès. Alors comment tout a commencé? Parce que moi, Gérald Palmas m'a raconté quand même qu'il t'a fait venir une fois, c'était un 6 août 2011, exactement, faire sa première partie. Ça, c'est une chance pour un artiste comme toi, finalement. Complètement, je me souviens, c'était sur une grande plage à Valras. 20 000 personnes, bien sûr. Exactement. Qu'on est Valras. Ah ouais. Absolument. C'était un sacré baptême du feu, quoi. Ouais. C'était quelque ça, chose y a du monde, hein. Ouais, complètement. Et alors, à partir de là, t'as senti que c'était ta voix? Qu'est-ce qu'on ressent quand on est sur scène comme ça?
c'est un moment assez unique, quoi. Il y a quelque chose, un échange. On teste directement les chansons en direct. On voit comment les gens réagissent. Comme là, par exemple, c'est une des premières fois que je chante le titre comme ça en direct. Ça fait quelque chose. C'est un bonheur. Ouais, carrément. Vraiment. C'est un échange. Et t'as fait groupe avant, Michel, mais c'est ça. Ah oui, absolument. T'as fait groupe avant? J'ai fait un groupe, ouais. Ça s'appelait Boxon. 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 Avec des copains de lycée. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais... C'est un bon titre, c'est un bon titre. Non, mais c'est générationnel. Mais Michel, toi aussi, à un moment donné, tu t'es produit une fois sur scène. Ouais, j'ai fait bazar. Non, t'as pas fait le boxon, toi, je sais. J'ai fait bazar. T'as fait le bazar, toi. Toi, ça fait bordel. Non. Alors, on devrait monter un power trio tous les trois, ça super. Oui, c'est vrai. Bazar, boxon et bordel, c'est ça? Exactement. Eh ben, ça promet. Sur dans un bateau. Ouais. Ah ben, ça va être facile, tiens. Dis-toi, Michel Fugain. Oui. À un moment donné, est-ce que tu as ressenti au début de ta carrière ce que nous dit d'ailleurs justement Valentin Marceau? Est-ce qu'à un moment donné, quand tu étais sur scène pour une des toutes premières fois, tu as senti que c'était l'instant, que ça venait, ça y est, c'était il y a une révélation, une vocation en tout cas? Je voudrais bien te dire oui, ne serait-ce que pour nourrir la légende, mais j'ai rien senti, j'ai traqué comme un fort. D'abord, il faut savoir un truc, et là-dessus, Michel Sardou a fait une chanson qui est exactement la vie qu'on menait, c'est-à-dire qu'on est, notre génération, nous, on passait en attraction de bal. C'est-à-dire vers 11h, 11h30, l'orchestre s'arrêtait et on chantait. On mettait le truc et on chantait. Et quand on s'en sortait sans prendre des bouteilles de bière, sans prendre des canettes, on était vachement contents. Ouais. Et d'ailleurs, dans les bals populaires, ben c'est exactement ça le truc, hein, voilà. Et il a fallu que plein de choses changent. Il y a eu des salles qui se sont construites. Véritablement, mon... T'as beaucoup de plaisir quand tu es sur scène. Mon baptême, mon vrai baptême de la scène, c'est avec le Big, quoi. C'est avec le Big Bazar. À partir de 1972? À partir de là? En 73, on a fait notre premier spectacle à Lyon. Avec le premier spectacle du Big Bazar. On était au Palais d'Hiver à Lyon et ils tapaient avec les godasses sur la table, parce que c'était un truc avec des tables, et ça a duré trois quarts d'heure. Ouais. Et il y avait le patron du Palais d'Hiver, Roger Lamour, qui montait, et Roger Lamour, il montait, il dit, c'est terrible, et il y a un moment, il est monté, il fait, vous avez battu Brel? Ah. La honte que j'ai eue. Eh oui. J'étais honteux, j'ai dit putain non, pas ça. On avait battu Brel parce qu'ils voulaient pas, les gens voulaient pas nous laisser partir et on est revenu, on était pratiquement, on avait déjà la valise à la main. Valentin Marceau, le fait que les artistes confirmés comme Axel Red, comme tant d'artistes, te choisissent pour des premières parties, c'est flatteur, j'imagine. C'est une reconnaissance de tes aînés? Exactement, puis c'est souvent ce que je leur dis aussi, c'est des aînés que j'ai écoutés avant. D'accord. Et donc, Axel m'a annoncé que j'étais bienvenu pour faire sa première partie. Au Trianon à Paris, c'était il y a quelques mois. C'était il y a quelques mois et c'était assez intense parce qu'on arrive avec mon guitariste Thomas, on est deux sur scène comme ça, deux guitares, deux voix. Et le but du jeu, c'est d'essayer de créer un grand feu de camp général, quoi. Et il se crée quelque chose d'assez unique à ce moment-là. Et savoir qu'on ouvre des artistes en plus qu'on admire, on dort bien après. C'est un plus. Génial. Voilà, Valentin Marceau.